Bonjour à toutes et à tous, c'est Phoenix et on se retrouve aujourd'hui sur Kingdom and Castle pour la suite des événements, à savoir la prolongation de l'extension de notre petite cité. Alors c'était le but des précédents épisodes et on va poursuivre dans cette optique-là. On va faire aussi la prochaine vague de dragons, certainement. On va continuer à conserver ce petit volume d'une demi-heure par épisode, je trouve que c'est pas mal. Ça vous permet quand même de voir pas mal de petites choses. Alors. Donc on va reprendre tout de suite, on va remettre le timer et c'est parti. Donc là j'ai laissé le ponton se construire tranquillement. Alors pour moi la route, je vais éviter de couper en fait ici. Donc là il y a deux, en fait il y a deux possibilités. Soit je rajoute un cran ici, ce qui me permettra de faire la muraille de ce côté-là du ponton. Ou alors, je la conserve comme ça et la route, je la ferai en escalier sur la bordure pour les fermes. On va voir ça au fur et à mesure. On va laisser déjà le temps de la construction des premiers pontons. À savoir que en parallèle, on va poursuivre la douve. On va continuer à la creuser tranquillement. On va faire juste ces trois blocs, enfin ces quatre blocs de pontons pour le moment. Et on va s'occuper après de la douve. Alors normalement, au niveau des ressources, je sais pas si j'avais mis dans le coin. Alors là, les entrepôts sont ici. J'ai pas d'entrepôt extrêmement proche. Je ferai peut-être un rajout d'ailleurs d'entrepôt ici. J'ai beaucoup de bois en plus à récupérer, donc on va voir. On va voir tout ça au fur et à mesure. Alors là, le ponton, on a un petit peu avancé. Celui du fond, je suis pas sûr. Ah si. Bon, après, on a suffisamment d'inactifs pour pouvoir faire le chantier. Après, là, du coup, avec l'extension de la cité. Il y a une muraille supplémentaire qui va disparaître. C'est-à-dire que en fait, je vais reprendre la muraille d'ici. Je vais longer là au niveau d'ici. Là, les douves, je vais les faire interconnecter, mais je mettrai certainement un pont au milieu, histoire de bloquer un pont ou un ponton au milieu, histoire de bloquer la circulation. Ce qu'il faut savoir, c'est que les bateaux vikings, en fait, si j'ai construit un pont ici, à l'origine, je voulais pas le faire. Et en fait, ils m'ont obligé à le faire parce que les bateaux en fait s'engouffraient là-dedans. Ce qui n'était pas du tout pratique. Donc là, on est un peu plus on sera un peu plus tranquille. Alors, hop. Donc là, ça se poursuit tranquillement. 15-17. On est à 3 ans de l'attaque de dragon. Au niveau des défenses, on était bon. On n'avait pas grand chose à rajouter. Là sur ce mur là de toute façon j'ai pas rajouté de choses. Étant donné que ce mur là à terme il va disparaître. Donc ça sert pas à grand chose de faire quoi que ce soit dessus. Le plus long ça va être de reboucher les douves ici. Alors on en est où? 15-7, ok. 15-7 ici. 15-7 ici. Ok. Donc vous voyez, ce qui est bien, c'est qu'ils vont chercher les ressources à côté. Donc on va gagner un peu de temps. Là, dès que les pontons vont être finis, on va attaquer. Alors là, j'espère que j'ai pas de loup par contre. Non, la grotte est vide. Donc tant mieux pour nous. Le forestier, je le décalerai au dernier moment. On le fera au dernier moment en fait. Une fois que la muraille sera faite, on refera la même méthode qu'on a fait ici. On le placera juste à l'extérieur en fait pour pouvoir avoir un apport de bois supplémentaire. Je veux quand même me dégager une grande partie de la ville, donc c'est tout mon intérêt de faire ça. Alors par contre au niveau des finances, on commence à perdre un petit peu. Alors, on n'a que 32 par an qui rentrent dans les caisses, donc c'est peut-être pour ça aussi. Il est temps qu'on agrandisse vraiment notre cité en fait. À savoir que les pontons, à chaque fois,
Ça nous pique 10 d'or. À différence des murs qui ne coûtent rien, donc ça va être facile à placer après en fait. Au niveau des pierres, on est pas mal, on est à 1900. Ça va nous permettre de pouvoir faire facilement la muraille. Hop, le bois arrive en très très grande quantité. L'évolution des chantiers est pas mal faite parce qu'il y a une certaine logique quand même. Il commence vraiment par poser la pierre en premier pour pouvoir arriver à poser les dalles et après pour pouvoir mettre le plancher. Donc là, il doit manquer un de bois. Voilà, on a bientôt fini. Voilà, ça avance. Donc là, on va avoir une équipe qui va être libre, qui va être disponible pour pouvoir faire la suite du programme. Donc là, notre bonheur en plus a un petit peu baissé. On va aller voir ce qui se trame. Donc là, pour le moment, ils sont heureux de ce côté-là. Et ici, ils sont un peu moins contents. C'est ici vraiment que ça pêche. Alors, qu'est-ce qui fait qu'ils sont malheureux? Il leur manque certainement un jardin. Alors, on va essayer de faire quelque chose. On va leur mettre un petit jardin ici. Histoire d'améliorer un peu, bon ça va pas changer grand chose mais bon déjà ça sera déjà ça. Et puis vu que la terre est pas cultivable à côté de toute manière, c'est pas très très grave. Donc là l'axe par contre ici, l'axe principal, on va l'améliorer. Alors, hop. Voilà. Donc là c'est pareil, on va consommer un petit peu d'argent mais on va renflouer les caisses parce qu'après les gros travaux ça va être vraiment de la pierre. Que de la pierre même et de la terre. À savoir que les douves, j'ai pas regardé. Ah ouais, c'est 50 d'or les douves. Donc c'est pour ça aussi qu'on a entamé grandement le budget. Voilà, on est en train de remplir de matières vivrières, je vais dire les entrepôts, étant donné que c'est la bonne période pour le faire. Alors là, ça construit déjà. Il leur manque un petit peu de pierre, mais ça va avancer rapidement. Et voilà, le dernier morceau de ponton va s'achever. Voilà. Alors, du coup, comme je vous l'ai dit, on va commencer par faire les fondations de notre première muraille extérieure. Voilà, déjà, on aura ça de fait. Ici, on va couper ça. Et on va faire la deuxième enceinte. Et pour le moment, de toute façon, je peux la monter jusqu'ici, puisque c'est ce qui était prévu initialement. Et voilà. Donc là, ils vont avoir de quoi faire pendant les prochaines années. Alors, vous voyez la physique du jeu. Là, directement, les douves se sont remplies avec la pluie. Et en plus, on a un magnifique orage. Je crois qu'il y a eu encore un foudroyé dans la ville. C'est là où vous voyez que j'ai quand même quelques petits défauts. C'est que là, on perd des récoltes en fait à chaque fois à cause des inondations.
s'est construit quand même relativement vite. Voilà, c'est fini pour l'orage. Donc là, on a notre dernier bloc de mur qui est fini. Là, par contre, ce qui m'inquiète, c'est qu'on n'a que deux niveaux. Donc il va falloir augmenter tout ça. Alors, très bien. L'arbre, une fois qu'il est fini, on va pouvoir faire la dernière portion. Allez. Et voilà. Donc là, ma foi, on va préparer un petit peu la suite. Donc on va récupérer cet axe-là. Donc la porte sera environ ici. Alors je sais pas si je vais pouvoir placer le pont-levis là maintenant. Je pense pas. Le pont-levis, le pont-levis, le pont-levis. Ça doit être ici. Eh bien non. Alors, il y a peut-être des choses qui ont disparu aussi avec les dernières mises à jour. Ça. Toc, toc, toc. Bah écoutez, le pont-levis, je l'ai pas retrouvé, donc tant pis. Donc là, pour le moment, la tour, je peux pas la faire tant que la route n'est pas arrivée jusqu'ici. Donc on va juste préparer ce qu'il nous faut. Il me faut une case de séparation. Voilà. Alors, les dragons. J'ai l'impression qu'il y en a. Ah, il y en a deux quand même. Bon, ça va aller vite. Ça va aller très vite. En plus, il arrive du côté qui est pour moi le plus protégé. Là, il cherchait une cible. Bah, ça tombe bien. Il est tombé dans l'eau, je crois. Alors, est-ce que ça me fait des dégâts? Non. On va aller voir où est le deuxième dragon. Ah, les tours à baliste, c'est du sniper. C'est vraiment du sniper. Hein. Bon, bah voilà, on a réussi. L'attaque de dragon, c'était pas ce qui était le plus terrifiant. Pour tout vous dire. Donc là, on a bien avancé. On va continuer. Voilà. Là, il y a encore du bois à couper. Ah, j'espère que j'ai bien visé, par contre. Ouais, j'ai bien visé. Donc là, ce qu'on va faire, alors temporairement, on va le fermer. Je vous explique pourquoi. C'est que là, on va se faire la route qui va desservir. Flûte. Voilà. Si je laisse le forestier ouvert, et bah pour le coup, je vais t'embêter parce qu'en fait, ils vont replanter direct tous les arbres là, que je viens de faire arracher. Donc c'est pas le but. On va poser la route avant de rouvrir le forestier en fait. Voilà. Allez. On va construire notre petite route du coup. Alors, je sais plus si je dois faire la route en premier
Ou si je peux faire l'arche directe. Je peux faire l'arche directe. Donc ma foi, on va faire l'arche. On va rajouter un segment de route derrière. Là, ici, c'est bon, on peut rouvrir. Voilà. Toc. Pour se protéger au maximum, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va faire juste les portions de douves ici qu'il nous faut. Donc il me faut 50 d'or à chaque fois. Là, je fais que perdre de l'argent. Donc il va falloir trouver une solution à ce petit problème économique. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer leurs conditions de vie ici? Ouais, on va pas trop dépenser d'or pour le moment. On va attendre un peu. Ici, à la limite, je pourrais faire une extension aussi pour permettre d'avoir une plus grande ville. On va se lancer dans deux projets d'extension, ce qui devrait être pas mal. Là, on va rajouter une tour. En attendant, au niveau de la défense, comme ça, on sera un peu mieux. On sera un peu mieux. On va suivre attentivement ce qui se passe au niveau des finances, au niveau du budget. Ah, pour le moment, on stagne vraiment. Sans faire de dépenses, on stagne vraiment la même. À peu près aux mêmes valeurs, 660 en max. Alors, au niveau du bois, je pense ils vont avoir suffisamment à faire. Ils vont pas avoir besoin d'aller en chercher trop loin. Au niveau de la pierre, je sais pas du tout comment on est. On est pas mal. Ouais, on est pas mal. Le risque d'incendie ici, c'est assez élevé. Alors, le problème, c'est que si je remets un pompier, je crois que ça va me coûter de l'argent. Ouais, c'est 35. Risque calculé ou pas, on va être obligé de toute façon de mettre une caserne ici. Je pense que c'est quand même relativement important. On va faire en sorte de pas perdre de ressources. Ça serait vraiment bête. Ça serait vraiment bête. Allez hop, ça c'est fait. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, on va se préparer tout ça. Alors on va se limiter à un carré comme ça. Alors hop, ça c'est pour les repères visuels. Là, ça va mettre pas mal de temps à se construire par contre, hein. Parce que le temps que toutes les matières premières arrivent, on va avoir pas mal de temps. Voilà.
On va s'occuper d'une chose aussi en parallèle. Ça va être ceci. On va s'occuper tout de suite des loups. Alors, il me semblait bien que j'avais fait une deuxième ouverture. Qui est ici. Pour nous raccourcir un peu. Alors ça, c'est la maison de la sorcière. Pour le moment, je m'en suis pas occupé. Parce que je sais pas du tout les répercussions que ça peut avoir au niveau du jeu, donc je préfère ne pas y toucher. Pour le moment. Tant que j'ai pas de soucis avec elle, écoutez, moi ça me va, de toute façon je suis protégé par les murailles après, donc c'est un petit peu moins grave. J'ai l'impression que c'est un peu moins catastrophique que le dernier coup. Encore que. Allez, hop, on va revenir près du QG. On a encore baissé un petit peu au niveau des... au niveau de l'argent, certainement parce qu'on a des coûts. Ben voilà, ça nous coûte 18 par an. Donc là, on doit avoir. Ouais, on a plus que 20, 20 par an de bénéf. Donc ça risque d'être relativement chaud. Alors, du coup, le deuxième mur d'enceinte, c'est là où ça va être un peu plus complexe. C'est que le deuxième mur d'enceinte, il va falloir que je le fasse passer comme ça. On va voir comment on peut le faire. Déjà, là, on va détruire la douve. Voilà. Et on va faire ceci. Voilà. En gros, je vais réutiliser cette portion de mur là pour pouvoir faire le deuxième chemin. Alors, du coup, ici, nous on va aller plus par là. Pour la partie pour la deuxième défense. Alors ici ça pourrait être pas mal. On va le faire comme ça. Voilà. L'enceinte de la ville, elle va s'arrêter ici. Exactement. Donc on va la reprendre d'ici, ici, ici et ici. Voilà. Et là, du coup, pour le mur extérieur, comme je vous l'ai dit, donc là, et c'est là où il faut viser proprement. Et hop. Voilà. Déjà, on commence à avoir quelques plots déjà de distribués. On va laisser passer de toute façon l'attaque des Vikings. Et on pourra réattaquer après le projet d'aménagement. Et je pense, je vais certainement couper la petite vidéo avant la prochaine attaque de Viking. Comme ça, on pourra en profiter pleinement pendant l'épisode suivant. On pourra la voir en entier et on gérera les dégâts qu'il y aura autour. Parce que là, c'est bien, on construit, mais il se peut qu'il y ait beaucoup de dégâts. Ce qui sera pas forcément avantageux pour nous. Et là, on va surtout axer après le réaménagement de cette zone-là, en fait, pour que les gens soient heureux. Parce que là, il manque quand même pas mal de choses. Là, c'est vraiment très ouvrier ce quartier-là. Et si je veux réussir à gagner vraiment de l'argent,
Il va falloir que j'investisse grandement de ce côté-là. Alors là, on est pas mal du tout. On va commencer à faire les connexions. Voilà. Comme ça, la première enceinte extérieure sera faite déjà. Et nous, dans le pire des cas, en fait, là, si je l'ai fait ici, l'enceinte, c'est parce que je veux pouvoir faire la première extension. Après, on agrandira, on viendra se placer ici. Alors. Tout a l'air de se construire tranquillement. Ah! Et pourquoi 50%? Ok. Bon, bah, ça sera un truc à voir pour le prochain épisode, écoutez. Voilà, bah écoutez, comme à mon habitude, vous le savez depuis maintenant longtemps, j'ai toujours autant de motivation à faire ces petites vidéos sur Kingdom and Castle. J'espère que vous, ça vous plaît aussi comme contenu. Et on se retrouve très bientôt pour la suite sur Kingdom and Castle. A plus, bye bye, c'était Phoenix.